À Marseille, le football, ce n'est pas une question d'imagination, mais de foi. Englué dans le ventre mou du classement, rongé par des conflits entre Ivic et ses joueurs, les Phocéens, quoi qu'il arrive, croient. Certitude insolente, Sochaux, deuxième attaque du championnat, est venu semer le doute. D'entrée de jeu, les Lyonceaux déstabilisent les bleus et blancs. Un pressing efficace et inspiré, Kamel Meriem ouvre logiquement le score pour Sochaux à la 17e minute. Marseille sous pression, Marseille en action. L'orgueil comme un déclic, André Louis somptueusement servi par Ibrahim Ba décoche une volée du gauche. Marseille égalise. 8 minutes plus tard, Bakayoko entame son show en embuscade. L'Ivoirien détourne une frappe de Leboeuf. Marseille prend l'avantage à la mi-temps. Après la pause, Sochaux réagit, casse cette nouvelle confiance. Tête de Pagis, Rougnier est battu. Égalisation. Mais la Providence, ce soir, avait choisi l'OM et Bakayoko. L'attaquant marseillais marque son deuxième but en toute sérénité, facile, comme à l'entraînement. En toute fin de match, il offre un ballon doré à Sierzewski. 4-2 pour finir le plus beau match des Marseillais depuis le début de la saison. Croire, c'est pouvoir.